Et Madame Pascale Monty, vedette du cœur au poing, quelle interprétation! Quelle profondeur! Non, mais elle aussi est pas pire. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis heureux, je me peux plus, je suis content parce que... Imaginez-vous qu'hier, nous avons reçu notre 5000e message sur le site Internet de la fin du monde. Hey, non, mais c'est énorme, ça! Imaginez si on les mettait tous bout à bout, là... On perdrait tellement de temps. Mais qu'importe, le 5000e message nous provient de Pistache GE Hydro qui m'écrit « Marc, je suis un inconditionnel de la fin du monde, mais je trouve que tu pourrais sourire un peu plus souvent. » Et là, j'insiste, sourire plus souvent. Sur le coup, j'ai été très dubitatif. Quoi? Moi? Dubitais-je. Marc Labrèche, qui ne suit que risette, bagatelle et facétie, monsieur trait d'esprit, c'est faux. Et pour vous prouver que cette Pistache d'Hydro a tort, je vais, live, sourire une minute. Voilà, j'ai fait plaisir à mon public. Et ne manquez pas demain, alors que pour vous, mon public, je m'épilerai le torse à la scie. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, son nom est maintenant inscrit en lettres de feu sur la liste des sauveurs persécutés de l'humanité. Aux côtés de Salvador Allende, Jésus et Daniel Spécialité, Jean-René Dufort est devenu l'espace d'une moumoute, le symbole de la rébellion et du combat de toute une génération. Après sa dégoûtante expulsion du Parti libéral hier, le Che portatif a pris le maquis aujourd'hui pour organiser la résistance. Suivons son récit. Suivant le refus du Parti libéral de me donner le formulaire de déclaration de candidature, je me suis rendu vérifier si mon collègue candidat d'hier avait subi le même sort. Eh bien, ils m'ont remis les formulaires, ils m'ont expliqué les modalités de mise en candidature et Maître Dugas m'a introduit après ça au directeur général du parti, M. Serge Marcil, avec lequel j'ai eu un entretien au sujet de ma mise en candidature. Donc, on vous a remis le formulaire? Oui, effectivement. Et quand on est libéral, on ne manque pas une occasion de faire du cash. Ils m'ont dit qu'ils vendent la liste des membres au tarif de 7 cents par membre et ce qui se monte à un montant total d'environ 1 600 $ pour avoir la liste des 80 000 membres. À lui un formulaire et à moi la porte. Il était donc devenu clair que j'étais victime de discrimination politique. J'aimerais porter plainte pour cruauté envers un leader. Un leader? Ouais, frisé. Mais ça se fait, ça, de déterminer une discrimination par comparaison. Ce qu'on regarderait, est-ce que vous êtes traité également? Est-ce que vous êtes traité? Et si vous n'êtes pas traité également, est-ce que c'est en raison d'un motif discriminatoire? Vous avez énoncé clairement que vous ne partagiez pas un des fondements du parti, à savoir que vous étiez fédéraliste. Est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez fédéraliste? On ne m'a pas posé cette question. Scandale! Il n'en fallait pas plus pour que j'en appelle au soulèvement des masses devant le Parti libéral. On va entamer une grève de la faim. Une grève de la faim symbolique de 30 minutes visant à décrasser la raison du Parti libéral fut donc effectuée avec brio. Une masse humaine qui scandait à l'unisson Jean-René comme leader et pourquoi le monde est sans amour. Un geste que les libéraux ne pourront ignorer. Ici Jean-René Dufort, proche du peuple.
Eh bien, on est de retour avec Jean-René Dufort. Bonsoir, Jean-René. Bonsoir. Je pense qu'il est clair maintenant que rejeter Jean-René, ça veut dire rejeter une trop grande partie de la population. Et je pense que les libéraux devraient le comprendre. Effectivement. Est-ce que vous avez quand même eu des réactions du monde libéral aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que vous devez sûrement avoir, vous voyez, les fans ici, vous avez sûrement les numéros de téléphone et toutes ces bidules-là qui traînent en bas de l'écran. Gênez-vous pas pour les utiliser. Ce n'est qu'au début. Continuons le combat. Bon. Il faut absolument réussir. Mais lorsque les gens s'inquiètent à savoir si vous allez continuer effectivement ou non, mais vous allez continuer, Jean-Luc. Je vais jusqu'au bout. Écoutez, il y a des banderoles partout dans le Grand Montréal et je ne peux pas arrêter là. Alors, les numéros ont été affichés au bas de l'écran pour ceux qui voulaient continuer à faire des plaintes. Merci infiniment, Jean-René Dufort, et continuez le combat. Bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Jean-René. Eh bien, pour un commentaire éclairé sur tous ces bouleversements, je reçois l'éditorialiste du Droit et du Soleil, M. Michel Vastel. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Oui. Vous aussi, vous avez un sourire éclatant, Michel. C'est ça, merci. Alors, première question, écoutez, est-ce que vous avez suivi un petit peu la démarche fait, de Jean-René Dufort depuis tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça prouve que Jean Charest a peur davantage de Jean-René que Jean Chrétien avait peur du Parti Rhinocéros. Oui. Parce qu'il y a des gens du Parti Rhinocéros qui se présentent aux élections fédérales. Et effectivement, eux... Ici, ils n'ont pas l'air d'un gars sérieux comme ça. Parce que c'est ça. Je sais qu'il est sérieux. Mais est-ce qu'il avait fait l'effort d'acheter une carte de membre. Oui, tout à fait. Il fait toute la démarche de façon sérieuse. Mais est-ce qu'on peut se demander si le Parti libéral n'aurait pas pu profiter de ça, par exemple, et inclure Jean-René, se faire du capital politique avec ça? Bien, c'est passer, enfin, aller chercher peut-être une petite couche de la population puis jouer avec ça. Je pense que c'est surtout les producteurs de la fin des mondes. Oui, c'est sûr que pour nous, c'est sûr qu'on en profite. Imaginez-vous, vous auriez pu diffuser le congrès en direct. Ça aurait été extraordinaire. Hein? Surtout avoir un débat Jean Charest, Jean-René Dufort ici, ça aurait été Ça aurait été. Non, mais effectivement, ils auraient... je pense qu'ils ont décidé un peu vite quand même. Oui. Hein? Parce que, après tout, tout le monde a le droit de se présenter. Oui. Si vous êtes membre, si vous avez les signatures des membres qui vous appuient, et que vous avez des idées, mais on sait qu'au Parti libéral, ça n'en prend pas beaucoup de toute façon. Donc, je pense que Jean-René n'aurait eu assez pour faire un candidat valable. Absolument. Parce que imaginez-vous, ils vont accepter Guy Bertrand. Oui, hein? C'est vrai. Mais là, est-ce que vous pensez qu'aller au droit de la personne, ça va faire avancer les choses? Pensez-vous que ça peut faire plier le programme du Parti libéral ou non? Oh, non. Ben, je sais pas, là. Mais par contre, quand je l'ai vu à la Société protectrice des animaux, là, se plaindre d'un leader, il aurait dû se plaindre d'un poodle. Oui. Merci beaucoup, M. Fastel. C'est très gentil de venir nous voir comme derrière ça régulièrement. Ça nous fait très plaisir. Derrière de tout, mais je vais continuer à suivre sa candidature. Je pense que ça peut devenir intéressant. On ne sait jamais où est-ce que tout ça peut devenir. En fait, je suis prêt à devenir membre du Parti libéral du Québec s'il manque une signature pour qu'il soit candidat. Ah, bien ça, c'est très gentil. Eh bien, on ajoutera la vôtre à la liste, sinon la moindre. Merci beaucoup, M. Fastel. Salut. Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Eh bien, depuis des semaines, toutes les émissions sérieuses d'information reçoivent les plaintes et les jérémiades des prétendues victimes de harcèlement sexuel de la part du président américain, M. Bill Clinton. Toutes les émissions, sauf une, la mienne, bâtard. J'ai honte, je suis humilié et souillé. Et devant cette grave carence, nous avons décidé de dépêcher une équipe à Washington dans le but de trouver une femme, une fille, une chef, whatever, qui pourrait décrire live les caresses maudites qu'elle aussi aurait subies. Et nous en avons trouvé une. Il s'agit de Mademoiselle Vilvina Sanford. Alors, Vilvina, bonsoir. Faites-nous saliver, Vilvina. Hi. Well, the president, he touched me here, and he touched me there, and he touched me... I'm a chatouilleuse. Merci beaucoup, Vilvina. Eh bien, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il disait encore dans le journal ce matin, n'achetez pas n'importe quoi. Un exemple. L'autre jour, je suis à la maison, et là, ça cogne. C'était un manchot. Il vantait des bracelets. J'ai trouvé ça louche. J'ai dit non, merci, j'en veux pas. Mais comme je suis un mécène, j'ai donné une poignée de petits changes. Il est resté l'air bête, il est parti de même. C'est la même chose pour le café. Il ne faut pas acheter n'importe quel café. Saviez-vous, par exemple, que votre arabica pouvait être couvert du sang de ceux qui le cueillent? En effet, les travailleurs du café qui sont parmi les ceux qui sont comme le plus opprimés. Et c'est pour cette raison qu'existe le café équitable, un café exploitation free ou exploitation free. Manuel Folia, la petite crémette passée date, nous raconte la petite histoire de ce café équitable. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. Est-ce que vous buvez du café équitable des fois? Équitable? Vous parlez de la santé? Le café équitable. Non.
Comme quoi? Non, évidemment que non. Café Équitable, c'est un café qui vient directement d'organisations de petits producteurs dans les pays du Sud. C'est des familles paysannes qui se mettent ensemble pour vendre leur café. Ils vendent donc à travers des coopératives et ils obtiennent un meilleur prix pour leur production. Et avec ça, ils mettent sur pied des projets de développement en santé, en éducation, protection de l'environnement, des choses comme ça. Vous savez qui possède le café mondial? Non, pas vraiment. Est-ce que tu sais où vont les profits du café? Non. Ceux qui font le profit, c'est quatre grosses compagnies, en fait, qui se partagent 70 % du marché. Et ça, c'est Philip Morris, Nestlé, Sara Lee et Procter & Gamble. Le café est transigé aux bourses de New York et de Londres. Et c'est là qu'il y a énormément de spéculation qui se fait. Le même café peut être vendu et acheté une dizaine de fois sans que les courtiers n'aient jamais vu vraiment la couleur. Et c'est là que se fait beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Les grandes compagnies ont leurs propres courtiers, ce qui leur permet de jouer énormément sur les prix, parce que les prix du café, ça fluctue d'une manière incroyable aussi. Et donc, elle tire avantage de ce jeu des marchés. Ça vient de vous coûter 30 $ pour du café? Eh oui. Eh oui. Mais il est bon, par exemple. Est-ce qu'il y a des cafés qui sont ici qui viennent de pays totalitaires? On fait pas de politique. On vend du café. Moi, je suis convaincue que nos choix de consommation, c'est des choix politiques. Ça a des impacts, des répercussions directes dans les pays du Sud, mais ici aussi, en fait. Et que c'est un pouvoir qu'on peut utiliser. Et pour pouvoir bien l'utiliser, il faut avoir des informations dessus. J'ai passé un été avec des Autochtones organisés sous forme d'une coopérative, donc qui vivent dans les montagnes de Oaxaca. Depuis le début, il y a 39 personnes qui se sont fait assassiner parce que, justement, elles s'organisaient pour essayer d'améliorer leur situation. Donc, il y a vraiment de l'opposition de la part de l'élite locale contre l'organisation des producteurs de café. Est-ce que vous savez que les cultivateurs de café sont surexploités? Ça, oui, jusqu'à un certain point, mais je pense qu'un peu partout, dans tous les domaines, il y a de l'exploitation. Alors, c'est difficile pour une personne de vouloir régler tous les problèmes de la terre. Ça vous embête pas d'en boire? Non, parce que si on avait toutes les convictions comme ça, on arrêterait de consommer tout le temps. Là. Café, que j'aime ta couleur, café. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de voir comment est-ce qu'on a un pouvoir qui est très, très grand à travers nos choix de consommation, que ce soit le café, que ce soit le thé, les bananes, le sucre, peu importe, mais c'est de le réaliser puis d'utiliser ce pouvoir politique, dans le fond, chaque jour, parce qu'on consomme chaque jour. Hein, c'est pas des maudites farces? Merci, Manuel Folia, où que tu sois. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez là. Eh bien, de retour avec le poignant témoignage de la supposée victime de harcèlement sexuel du président Clinton, Mademoiselle Volvina Sanford. Volvina? Yes, well, it touched me here, mm-hmm. and it touched me here, mm-hmm. and it touched here. Dans les cœurs, hein? It touched me. OK, ça suffit. Merci beaucoup, Volvina. C'est-tu épouvantable? Le chien. Merci beaucoup, Volvina. Eh bien, à 20 ans, il faisait battre les cœurs et maintenant, il fait sauter les pacemakers. C'est Paul Hood et c'est sport. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. Bonsoir, ça va bien, mon Dieu. Vous avez le sourire éclatant, vous aussi, ce soir. Non, c'est parce que Pistache m'a écrit, moi aussi, disant que je ne souriais pas assez. Mon Dieu, peut-être qu'il n'y a pas assez de soleil dans sa vie, Pistache. Peut-être. Ah, oui. Eh bien, tout de suite, nous abordons cette chronique des sports de la fin du monde sur un air de scandale, Marc. Arrêtez. Encore une fois, un problème de drogue non. relié